Bonjour à tous les amis, c'est Byphen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Et aujourd'hui, eh bien, ça fait plaisir de se revoir. Ça fait quand même quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo ici. Et donc du coup, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement une vidéo avec ce magnifique Ford qui fait beaucoup trop de bruit, ce magnifique Ford Super Duty. Et à F450 Super Cab avec une fake cargaison à l'arrière. C'est comme les fake taxis mais avec des fake cargaisons. Dis merci Red Crow pour la notif Discord. Voilà du coup, désolé pour la notif Discord, merci Red Crow. Ah, on est en train de travailler sur un petit projet secret là qui vous sera dévoilé bientôt. Hashtag hype, hashtag c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, tout ça. Du coup, aujourd'hui, mais on se retrouve pour une cargaison qui n'en est pas vraiment une. Dans cette magnifique map France, du coup du DLC France, qui est vraiment super belle. Donc j'espère que ce qui sort en ce moment vous plaît, tout ça. Personnellement, j'adore la tournure que prend la chaîne. On a dépassé les 300 abonnés, ça fait plaisir, mais vraiment. Ça fait plaisir et oui, je trouve que les dernières vidéos Arma là, qui sortent en même temps avec en même temps quelques vidéos GTA, ça fait pas de mal. Et voilà, je trouve que ça permet un peu au développement de la chaîne, tout ça. Alors par contre, le soleil, tu pètes les yeux, gros. Moi. Ah oui, le problème c'est que je voulais ralentir pour passer au télépéage, mais en fait c'est carrément stoppé ce bâtard. Ça le truc. Juste comme ça on va mettre un petit compteur de vitesse. Le truc, je voulais voir si... Genre c'est un truc de ouf, comment il freine. Il pile en fait, mais c'est un truc de ouf. J'aime ça en vrai. Alors 100, 100, 100, 100, 110, allez petite vitesse de pointe, 120, allez tu peux le faire petit, 130, oui c'est parfait ça, allez, allez t'es un bonhomme, 137, 137 vitesse max, qui est plutôt pas mal déjà, hein, entre nous, 140, ouais, 141, non ça, ouais, ça avance encore en plus, c'est ouf. On va aller du côté de Lyon, tout ça. Bon, ça, la route, elle a l'air d'être assez droite par ici. Dans tous les cas, vu comment il pile, on est tranquille à ce niveau-là. On va mettre les phares quand même. 143, il n'y a plus l'air de vraiment avancer. Donc, pour information, il fait 17 degrés, il est 20h30. D'ailleurs, ouais. Vous voir que c'est l'intérieur d'un Raptor SVT. Hein. Raptor SVT assez connu. Qui a été réadapté comme d'hab les modes dans la description. En tout cas, j'espère que vous aimez bien la série ETS2, tout ça. J'espère que vous aimez toujours autant le Arma, en tout cas. En ce moment, je prends beaucoup plus de plaisir à les faire. Ouais, j'ai toujours pris plus ou moins du plaisir. Mais je trouve vraiment que bah, la dernière vidéo là sur LF au circuit, ou sinon aussi la vidéo juste avant, là, la course-poursuite, avec Harry tout ça derrière, c'est... Et moi, des trucs qui m'ont fait super plaisir et que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner, tout ça, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Du coup, ça fait plaisir. Et puis, road tous les 400 abos, comme on dit. Hein. Voilà, cette vidéo sera pas forcément en super, super longue. Mais bon. Elle fera le temps qu'elle fera. De toute façon, pour l'instant, nous roulons en direction de la route du bonheur. Et on compte pas s'arrêter. Ouais, la direction, elle est trop bien, c'est ouf. Elle est trop bien, c'est ouf. Et puis ouais, du coup, c'est bien, j'ai quelques vidéos en avance, du coup, avec les vidéos GTA. J'ai tourné sur un après-midi tranquillou, donc... pour l'instant, il y en a encore une supplémentaire qui est tournée. Ou qui devrait sortir le lendemain de cette vidéo, du coup. Voilà, après aussi du coup une vidéo ALF, là, la fameuse vidéo où on s'achète une caravane du coup. Il devrait arriver un peu plus tard du coup. Qui va arriver un peu plus tard du coup. Vu bon c'est celle qu'on devait faire, mais bon, au final on a fini au circuit.
Je suis super content que Round 6 soit fini aussi. Même si on s'est tué sur la route, c'était vraiment un kiff en vrai. D'ailleurs, faudra un jour que j'y retourne avec la Focus ou avec... peut-être la CLA quand elle sera... ouais, quand elle sera repeinte, je sais pas. Ou alors peut-être entre-temps acheter autre chose. Quoique, ouais, pourquoi pas une petite tour aussi en 205 T16 du coup ou en 4C. Je me dis que ça pourrait être pas mal non plus. Enfin bref, on verra bien ce qu'on fera par la suite. On est déjà à l'arrêt, c'est abusé par contre. En fait, on peut pas freiner demi-mesurément un peu, tu vois. Ça, c'est chiant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir histoire d'aller jusqu'à une ville où on en a plus besoin d'attendre un drop ou pas. Et je sais même pas par où on est. Attendez. Saint-Alban-du-Rhône. On est du côté de Saint-Alban. On va aller jusqu'à Lyon. Hein. Ça, on va peut-être croiser Dristur, MDR. Trou lol. Et je suis un rigolo quand même, hein, c'est ouf. Et voilà, du coup, projet secret, du coup, je vous en dis pas plus, mais ça arrive, je pense, d'ici une à deux semaines, quelque chose comme ça. D'ailleurs, tiens, le rétroviseur central, il marche pas. C'est quoi cette douille? À moins de la douille, ça, par contre. C'est nickel, le rétroviseur central. Voilà, mais je pense qu'il y a moyen que ça vous fasse plaisir, cette petite surprise. Bon, je spoil peut-être un petit peu, mais s'il y en a, je pense qu'ils sont déjà au courant. Eh, le premier qui spoil, de toute façon je prends votre commentaire donc ça sert à rien. Ouais donc petit comme ça, moi je vous dis comme ça, le petit projet secret, ça vous permettra un peu de discuter avec WAM, tout ça. Voilà, donc du coup ça vous permettra de discuter avec moi et avec du coup le reste de la communauté. Je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, vous le saurez très très bientôt. Tiens, on va aller acheter le petit garage là. Ça, on pourra augmenter notre entreprise, hein, afin qu'un jour peut-être elle puisse faire beaucoup de sous-sous. Parce qu'on en est déjà à gestion entreprise, gestion garage, on en est à 7 garages quand même. On va l'améliorer celui-là. Hop là. Et voilà, comme ça on a un grand garage ici aussi. Puis je crois que là, je me demande ça. Ah non, ici, je pensais que c'était les nouveaux designs de garage, mais non, c'est les anciens livres. Bon, comme ça, voilà, on a ce qu'il faut. Du coup, moi, je vous dis à plus dans le bus, faites de beaux rêves.